Comme vous le savez, les partis politiques sont créés pour la conquête du pouvoir, donc pour aller aux élections. Leur travail essentiel, c'est l'élection. Il faut dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une réunion qui concerne essentiellement et fondamentalement notre mission, celle d'aller à des élections, celle d'aller à la conquête du pouvoir. Aujourd'hui, le cadre se retrouve. Vous avez vu comment la salle était pleine, il n'y avait même pas suffisamment de place pour les uns et les autres. Ils auraient pu choisir une salle encore meilleure. J'ai suivi avec beaucoup d'attention le discours du président de l'Aige. Moi, je vais commencer d'abord par féliciter les autorités parce que pratiquement tout a été mis en place et à disposition à l'Aige pour leur permettre de faire tranquillement le travail pour lequel nos concitoyens sont en place. Et l'Aige aussi a montré beaucoup de dynamisme. Le président l'a démontré dans son discours. Tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui pour aller le plus vite et nous amener à des élections transparentes, acceptables du maximum des Maliens. Parce que dire que vous aurez 100% de Maliens satisfaits, c'est faux. Même la majorité des Maliens, quand même, Inch'Allah, selon ce que j'ai entendu, seront satisfaits. Ils nous ont dit qu'ils sont bien organisés et équipés de la base des communes jusqu'au niveau national. Ça, c'est extrêmement important. Donc, je crois les efforts financiers, les efforts moyens et humains, les efforts dans l'ensemble que le gouvernement est en train de faire et aussi les efforts de dynamisme et d'engagement que les animateurs de l'Aige sont en train de faire, je crois que le Mali est sur une bonne voie et Inch'Allah, nous y parviendrons. Sur Baba Info, revue de la semaine. Revue de la semaine. Doudou Baba.